recommence un peu à zéro, mais on a l'avantage d'un bon partenariat avec le Club de l'Assomption, qui est un des clubs de notre région, et ils nous ont aidés avec leur vécu et certainement leurs joueurs qui cherchent un club. C'est des joueurs sur lesquels on donne une opportunité d'essayer avec nous, puis certainement il va y avoir plusieurs joueurs importants de leur club qui vont rester avec nous. On a commencé assez tard, je devrais dire. On a juste eu le club officiellement en fin décembre. Alors, on a commencé à s'entraîner en janvier. Pas beaucoup de disponibilité de terrain, mais on s'entraîne au moins une fois par semaine. Et jusqu'à présent, on est content avec les joueurs qui sont venus essayer, les joueurs, quelques-uns expérimentés sur qui on compte, mais aussi plusieurs jeunes, surtout du CNHP, des jeunes dont on est prêt à leur donner une chance de se développer. Bon, je ne sais pas si je peux vous dire qu'on est une équipe défensive ou offensive, mais certainement on veut être une équipe qui crée plus de chances que l'autre équipe, qui a le ballon plus souvent que l'autre équipe. Et après ça, dépendant du match, on va voir de qu'est-ce que ça va de l'air, mais c'est certainement une équipe, on cherche à jouer avec beaucoup de qualité, avec des joueurs de qualité, et même avec des jeunes joueurs de qualité. Bon, nos objectifs seront d'être très très compétitifs. Est-ce qu'on est prêt à compétitionner pour le championnat? Reste à voir, mais on va certainement gagner de l'expérience, mais on veut surtout créer toute une atmosphère pour les joueurs et pour les partisans.